dark side. I wanna be your left hand. Bon matin! On se retrouve dehors après le déjeuner. Il est rendu, il est comme 9h27. Je suis debout depuis 8h à peu près. On a Jayden, il n'y a pas son frère. Wow, Jayden, tu es beau avec ta casquette! Qu'est-ce qui est tombé? Ah, oh, t'enlèves la casquette? Tu la veux plus? C'est des chats. Un chat. Oui. Un chat, là, un chat. Oui, un chat gris. Il est gris. Gris. Oui. Il a un regard gris. Gris. Bon, je viens de me maquiller. Il est 11h. Ma brique dort. Attendez, je vais vous déposer. Ma brique dort depuis 10h15 à peu près. Là, regardez ce que j'ai découvert aujourd'hui. Là, mes cheveux, ils font vraiment dur. C'est les cheveux que j'ai lavé hier matin puis que j'avais pas séché. Mais regardez ici. Voyez-vous, les petits cheveux courts? Genre, j'avais pas remarqué, mais que j'ai perdu des cheveux avec ma brique aussi. Pas beaucoup, là, mais quand même. Mais j'avais pas remarqué. C'est juste que comme là, sont des airs. Hey, c'est-tu fatigant, ça? Ouais, fait que je me suis maquillée parce que. Me sens mieux, genre, pour commencer la journée maquillée. Ok, je commençais à ranger la cuisine, puis j'avais un questionnement à vous faire. Je suis vraiment découragée quand je rentre dans ma pièce maquillage, mon bureau en haut, là, avec tout le maquillage que j'ai. Parce que j'en ai vraiment beaucoup, puis j'en reçois beaucoup. J'en ai eu beaucoup, 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 beaucoup quand je travaillais. Oui? Au Sephora. Ah oui! Ok. Ouais, fait que c'est ça. Fait que j'en ai vraiment beaucoup, j'en reçois beaucoup. Fait que j'ai tendance à faire plus et tout. Je me demandais si ça vous intéressait de voir, mettons, une vidéo désencombrement. Mais genre, là, mettons, fond de teint. Comme, parce que j'ai tout des tiroirs, ben pas fond de teint, comme tiroir teint. Dans deux jours, pourquoi? Vendredi? Ouais. Je demande s'il y a du monde qui a acheté ce gars. Ah, Anthony veut savoir si il y en a qui ont acheté le barbecue du Costco. Le Next Grill. Qui a 4 burners avec un seul côté de plus. Ouais. Parce que Anthony, il regarde depuis tantôt pour. Puis hier, pour quel barbecue acheter. Fait que. Puis celui-là, dans le fond, au Costco, il vient avec la housse comme dessus. C'est ça. En tout cas, vous nous direz ça en commentaire. Fait que ce que je disais, c'est que si ça vous intéressait de voir ça, parce que je voulais faire, mettons, en vlog. Sauf que ça va être bien trop long, là. Fait que peut-être, genre, sur ma chaîne principale. Mettons, c'est encore vraiment blush. Mettons, vous verrez le nombre de blush que j'ai là. J'ai plus qu'un tiroir, genre, j'en ai vraiment beaucoup. Fait que, genre, par catégorie. Puis moi, je vais faire comme une pile, mettons, à donner, à vendre. Parce que, sérieusement, si vous me suivez depuis longtemps, la quantité de produits MAC que j'ai acheté, vous savez qu'elle est vraiment énorme. Puis, oui, je vais en donner, mais il y a certains trucs que, genre, que je peux vendre vraiment facilement. Fait que, quoi. Anthony, là, Anthony est comme non. Il veut pas que je vende mon maquillage. Oh, c'est ça. J'en ai trop, Anthony. Anthony, c'est pas un problème d'en avoir trop. Genre, fallait pas l'acheter. Je suis dehors pour vous parler. Attendez, je vais essayer de me patenter un. Oh, si ça tombe, ça sera pas drôle. Un trépied. Sur mon plateau. Hey! C'est mieux de pas tomber ma caméra. Ouais! Ah! Hey, ça fait drôle. que je voulais dire? Ah, c'est ça que je disais tantôt. Genre, je veux vraiment. Quand je rentre dans ma pièce, là, c'est vraiment. Je me sens comme si c'était trop lourd. Genre, comme quand j'ouvrais mon garde-robe dans ma chambre, là, qu'il y avait trop d'aimants, il y en avait partout. Puis tout, c'était trop lourd. Genre, c'était comme si ça m'étouffait. Genre, je me sens pas bien là-dedans. Mais là, c'est pareil, je me sens pas bien, genre, dans ma pièce, dans mon bureau, parce que. Il y a genre trop de choses, trop. C'est trop, quoi. J'aime pas ça. Puis quand je me maquille, je vais toujours prendre les mêmes affaires qui sont sorties. Genre, je prendrai pas. Je fouille un peu dans mes tiroirs. Je peux même pas fouiller tellement qu'ils sont pleins, genre. Fait que c'est ça. Oh.
je le promets, mais j'aime vraiment pas ça. Puis, mais Anthony, il comprend tellement pas ça parce qu'il est comme, tu sais, pourquoi tu l'as acheté si là tu veux t'en débarrasser, comme, c'est vraiment de l'argent perdu, genre. Mais c'est comme ça. Il comprend pas, il comprend vraiment. Jaden, vous. Ben oui, je suis là. Oups, c'est son. Jaden voulait venir me rejoindre. Fait que. C'est ça. Coucou, Jaden. Fait que c'est ça. Puis l'autre chose, je voulais vous dire, ce matin, Anthony a été faire notre changement de pour nos coups d'été. Oh, t'es tout sèche dans la face. On nettoyait le visage. Mais. C'est ça. Je comprends pas qu'est-ce que c'est. Mais, oh mon dieu, regardez là les petits cheveux, vous voyez. Genre, je vais clairement mettre une casquette aujourd'hui. Ouais. Fait que, bon, ce que je voulais dire, Anthony était faire changer nos pneus pour nos pneus d'été. On était vraiment rendus, là, mais bon. C'est ça. Puis, la dernière fois, il avait dit que nos freins, de nos freins, dans le fond, ils étaient. Vraiment usé, genre qu'il faudrait les changer bientôt. Puis on était. Ah oui? On était vraiment étonnés parce que, tu sais, nous, notre auto est neuve, là. C'est l'auto neuve qu'on a acheté en novembre 2016, dans le fond. Fait que c'était. C'était une. Quelle année? 2017, dans le fond? Je sais plus. Ouais, c'est ça, une 2017, dans le fond. C'était neuf toutes là. Puis on était comme étonnés qu'ils nous disent que les freins, deux des freins, genre il y en a deux qui sont parfaits, puis deux des freins étaient vraiment comme usés, à changer. Puis là, aujourd'hui, il a dit que vraiment là, c'est important de changer comme d'ici un mois là, comment c'est usé. Puis là, c'était un garage. On se l'était fait dire l'autre fois qu'on avait changé les pneus à l'hiver par un autre garage, mais qui disait genre tout de suite, puis on était super étonnés. Fait que quand on avait fait notre changement d'huile à Mitsubishi, ben ils ont vérifié, puis ils ont dit que oui, bientôt, mais c'était pas urgent. Mais là, ils disent que c'est urgent. Mais on est vraiment étonnés parce que, genre, tu sais, ça fait vraiment pas longtemps là, qu'on a l'auto, fait que c'est neuf, genre, il y a pas de kilométrage, rien là, à voir dessus. Fait que c'est ça, c'est un peu chiant. Mais ça se peut qu'on ait eu une mauvaise batch de freins, genre, comme il n'y a pas vraiment d'explication. Là, on avait eu, il y a comme quelques semaines, un rappel pour l'auto. Puis, logiquement, ce rappel pourrait avoir occasionné que les freins se soient usés plus vite, si on est touché par le rappel. Sauf que là, on a rendez-vous pour notre rappel le 31 mai. Sauf que, tu sais, je voudrais comme vraiment. Ah oui? Des feuilles. Sauf que, tu sais, il faut prendre rendez-vous très bientôt pour les freins, là, parce que je veux pas niaiser avec ça, là. Fait que. En tout cas, là, c'est juste vraiment chiant parce que. Tu sais, ça fait. Un an et demi qu'on a l'auto. Genre, ok, c'est vraiment chiant. Blondine dehors, ses petits cheveux. Jaden voulait un pain. Ok, il y a sa tranche de pain, de la viande froide, des bleuets, puis un petit ficello. Anthony vient de me faire un latte dans ma petite tasse comme ça. Et j'ai un autre ongle qui a pété. Je vais les faire tantôt. Fait que j'ai vraiment hâte, puis je vais les faire court. Vous allez voir ça. Fait que c'est un petit latte à la noisette. Ça va être bon. Fait qu'on mange un sandwich au poulet qui est comme cuit là. C'est le poulet du Costco. Pas le petit poulet cuit gras là. Les petits poulets, les poitrines de poulet du Costco qu'on a mangé hier avec mon petit Anthony. Non, regardez, j'ai donné, il se promène. Oh, je vous ai pas montré ça. Je sais pas si vous avez vu la Gosseline. Ouais. Elle avait acheté ça. C'est dans le fond, c'est une couverte comme pour faire des pique-niques là, pour dehors. Il y a un côté qui est vraiment. Je sais pas si vous montrer, mais il se promène avec. Oh! Il y a un côté qui est vraiment fait comme. Je vous montrerai quand que je l'aurai installé, mais il y a un côté qui est fait vraiment pour mettre par terre et tout là. Ouais.
Fait que là, je me suis dit, parce qu'il y a comme pas tant de place, tu sais, pour que Maverick joue. Ça, là, quand que Maverick il va se réveiller, au fond, je vais les ranger en dessous. Puis ce que je faisais, des fois, j'en mettais un, genre, ici, là. Puis, je peux même, moi, je tasse la table, mettons, quand c'est à l'ordi, fait que j'attasse un petit peu, puis là, je vais pouvoir l'étendre, puis il va pouvoir jouer, là. Mais là, l'été passé, on avait mis une barrière ici. Là, je l'ai pas mis parce que, ben, Jaden est assez grand, là. Il est capable de descendre et tout, mais là, Maverick, lui, par contre, ah, ben, c'est ça, je pourrais mettre mes petits bancs, là. Comme ça, Maverick va pas aller, là. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Ouais, c'est ça. Jaden capote, il adore être dehors. Fait que là, je suis en train de ranger ma vaisselle. Anthony vient de partir à l'école pour regarder un examen parce qu'il y a eu un examen. Puis il s'attendait à vraiment une meilleure note. Mais la moyenne de la classe est vraiment pas chaussée, là. Je pense que la moyenne est cool, il me semble. Ouais, la moyenne est cool. Fait que mais lui, il s'attendait full à une bonne note. Fait que il est comme vraiment étonné. Fait qu'il est parti voir son examen. Il est comme midi 10, midi et quart, ouais. Après, il va revenir, puis je vais aller à mon rendez-vous pour mes ongles. Le balai que Maverick mange, enfin, c'est comme des gros morceaux à terre. Puis Anthony vient de m'écrire qu'il est à l'école et qu'il y a genre 12 personnes avant lui pour voir son examen. Mais genre, l'affaire, c'est que quand il y avait comme 4 heures disponibles, puis c'est par groupe, puis là, genre, y a, t'sais, on s'entend, son groupe, ils sont comme 20, genre. Fait que. Puis il y a 12 personnes avant lui, fait que je pense que genre tout le monde a eu des notes pas super à l'examen. Mais enfin, c'est ça, c'est poche là, il était vraiment étonné, il était sûr d'avoir genre vraiment bien réussi l'examen là. Fait que, en tout cas, j'ai dit attends là, puis check ton examen. Ouais, c'est ça, il vient de m'écrire, la moyenne est en bas de 60, je suis comme, ok, je pense que tout le monde va checker leur examen. On est mercredi, fait que vous allez voir ce vlog là, vendredi. Ouais, puis dans le fond, il y a la vente au Mikey à l'entrepôt, là, c'est à Blainville, je pense. Puis, bon, Jaden a décidé qu'il utilisait un de ses objets comme un marteau, genre. Fait que c'est lui qui fait du bruit. Puis, c'est ça, j'ai vraiment envie d'y aller, mais j'ai vraiment peur que si j'arrive pas là à 9h, genre qu'il n'y ait plus rien. Parce que j'aimerais me procurer des cotons démaquillants, genre lavables. On en avait mis dans les. On en avait dans les sacs cadeaux l'an passé pour le meet-up. Puis, ben, j'aime bien ça, mais j'aimerais comme en avoir genre la quantité que j'en ai besoin, mettons, pour une semaine. J'ai vu que les bavoirs, genre, mensonge, elle est à 10$. Je sais pas si on convient normalement, mais je trouve que c'est un bon prix. Là. Tout le monde les aime vraiment beaucoup. Puis, avec la DME, je trouve que c'est vraiment pratique là, quand ça couvre de partout, parce que c'est vrai qu'il y en a partout. Fait que j'aimerais ça comme en avoir peut-être deux. Puis je voulais avoir dans le fond des couches de piscine. Fait que c'est ça. Parce que ce que j'utilisais comme couche de piscine, en fait, c'est pas des couches de piscine. C'est des genres de. Tu sais, des couches lavables. Genre chinoises, comme que j'avais reçues. Qui sont un peu comme des couvre-couches, là. Fait que j'utilisais ça comme couche de piscine. Mais, genre. Je pense qu'une couche de piscine, ça serait comme plus confortable. Comment c'est fait? Je sais pas comment trop expliquer, là. Fait que c'est sûr, j'en veux, dans le fond. Puis, c'est ça. Fait que j'aimerais ça aller là, sauf que ça ouvre à 9h. Puis, je sais pas, comme. Parce que si les enfants se lèvent à 7h, c'est bien correct. Mais, tu sais, s'ils se lèvent à 8h30, tu sais, je veux pas me presser pour aller là. Puis, j'ai peur qu'il y ait plus rien. Quand j'y vais. Fait que c'est ça. Mais, je pense que j'aimerais peut-être bien ça aller là samedi. Puis, samedi après, on irait peut-être magasiner notre barbecue. Il est 1h07, puis on n'est pas encore arrivé. Là, regardez. Les garçons s'amusent à se cacher chacun de leur côté. Et attention, hein, avec la coquille. Puis, c'est ça. Ah, je pensais qu'il m'appelait. Tout le monde, Anthony a vu son examen. Il s'en vient. Puis, ouais, c'est ça. Il est vraiment déçu. Ben, oui, il est déçu là parce qu'il avait extrêmement un bon feeling, mais genre, la prof qui est corrigée, elle est extrêmement pointilleuse parce que dans le fond, son cours, mettons, t'as peut-être 6 profs qui donnent des parties du cours. Puis en tout cas, la prof qui est corrigée est très pointilleuse, mais genre très très pointilleuse. Comme juste pour vous donner un exemple, il me donne un exemple d'une question, c'est genre, la personne a une infection urinaire. Genre, qu'est-ce que.
tu fais, ou je sais plus trop, là. Fait que, mettons, il dit, genre, nettoyer de l'avant vers l'arrière, blablabla. Mais là, il a pas précisé que c'était nettoyer le vagin, genre. Fait qu'il a dit, tu sais, ce que tu voulais dire, c'était peut-être, genre, nettoyer le bras. On parle d'infection urinaire. Fait que, genre, mettons, juste à cause que il a pas dit le mot, ben il a pas écrit le mot, ben c'est zéro. C'est pas genre une... il compte pas comme tout le reste de la réponse était bonne, non. C'est genre, t'as pas dit ce mot-là, alors c'est zéro. Puis chaque question valait... c'était comme... ça valait vraiment pour beaucoup. Fait que, mettons, juste là, il perd genre 5% dans l'examen. C'est vraiment chiant. Mais bon, t'sais, au moins c'est pas... juste lui qui était comme ça, c'est accroche de même pour tout le monde, là. Mais c'est ça, c'est cette prof-là est comme ça. Fait que c'est ça, il était vraiment déçu là parce qu'il dit genre, c'est toutes des questions niaiseuses, genre toutes les questions qu'il y a eu zéro, la matière, il a dit c'est pareil, c'est juste comme il a pas dit le mot blablabla, comme il dit mettons, à un moment donné, il pose une question, puis la réponse était douleur. Lui, il écrit douleur, mais elle lui a dit non, c'est douleur importante. Il fallait préciser le mot importante. Fait qu'il y a zéro, genre. En tout cas. Fait que c'est fâchant. Mais bon, tu sais, ça change rien parce que, peu importe, dans ce cours-là, faut que t'ailles à l'examen final 60. Fait que, genre, peu importe, faut que l'examen final y aille 60. Genre, qu'il y aille. Qui garde une moyenne haute ou que t'sais, là, sa moyenne elle a comme baissé avec cet examen-là, t'sais, on s'en fout à la fin, il faut qu'il aille 60 à l'examen final, peu importe. Genre c'est chiant, hein? Mettons que t'as comme 95 toute la session là, puis que tu prendrais l'examen final, ben tu cours. Fait que c'est ça, là je vais changer les garçons, puis on va y aller, mais bon, Anthony arrive bientôt. On a un bébé vraiment pas sûr. Ça shake beaucoup. Il y a Jason qui est là. Moi, j'ai dû faire mes ongles. Ça fait drôle parce que je les ai faites courts. Genre que je fais ça puis je sens pas mes ongles. Voilà, spring OK. On se rejoint. On est retour à la maison. Puis on a acheté ça. Fait que c'est un petit, petit panier de basket. Pas de patrouille, mais dans le fond, ça se clip, ça se déclippe là. Fait qu'on l'a mis là. Pour Jaden. On va devoir rater toutes tes. Je l'ai eu. Ouais, fait que on lui a acheté ça, c'est genre 7$ winners là. Puis ben là il est dehors. Maverick, il mange. Coucou. Jaden est dehors. Il aime bien être dehors. Fait que je vous ai pas montré mes ongles. Fait que regardez, c'est comme ça. Fait que c'est menthe. Puis j'ai cet ongle là qui est comme blanc avec un genre de petit design menthe et genre de taupe. Fait que je les ai faites vraiment plus court là, comme vous pouvez voir, tu sais, regardez comme ça. Maverick, il rit de moi. Pourquoi? Il toujours plus manqué. Ok, ça a l'air de ça. J'aime vraiment ça, puis c'est ça, comme pour travailler, c'est ça, je les fais plus court maintenant. Puis je vais les avoir pendant une semaine, dans le fond, au travail, avant de les rechanger. Fait que, c'est ça, je les aime full. Regardez les garçons. C'est encore beau là, il est quelle heure? 6h. Ouais, c'est encore soleil. Et oui, ils sont habillés dans les mêmes teintes. Bonjour tout le monde, je vais juste vous dire bonne nuit. Moi j'ai pris ma douche. Ben en fait, tantôt, comme à 7h, j'ai été laver ma brique. Après, je l'ai couché. J'ai été me laver, puis je suis tellement contente, là, il était même pas endormi quand que je l'ai allaité, je l'ai couché dans le lit, puis après 10 minutes, j'ai regardé la caméra, puis il dormait déjà, sérieux, genre, on est vraiment chanceux avec Maverick, il a comme, il a jamais pleuré quand on l'a couché dans son lit, genre, c'est fou, genre, pas c'est fou, mais t'sais, c'est fou, tous les enfants sont réellement très différents, genre, puis c'est pas parce qu'on a fait, t'sais, que tu fais quelque chose de différent, là, Jaden, il a jamais aimé dormir dans son lit. En tout cas. Fait que c'est ça. Elle est là. Elle est ici, ta suce. Elle est là. Ah, de l'eau. Voilà. Fait que c'est ça. Anthony se lave. Après, on va écouter Grey's Anatomy ensemble. Puis Jaden va se coucher. Là. Fait que c'est ça. Je vous dis bonne nuit. Et on se revoit demain.